fait la suite de la boîte que j'ai commencée hier avec Fifi. Ça va pas être du gâteau. Aujourd'hui, elle est dans ma pièce, dans mon atelier, parce que Chouchou est en train de faire le ménage en bas, mon mari. Donc, du coup, il m'a fait monter Fifi dans la pièce, parce que sinon, elle se roule dans l'eau. Hein. Et du coup, ça va pas être du gâteau aujourd'hui pour continuer à faire la boîte. En plus, elle a entendu le mot vidéo. Et ça, c'est un mot automatique pour elle. Hein? Bonjour. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour, mon copine? Tiens, viens, viens. Bonjour, les copines. Non, tu veux pas dire. Bon. Alors, pourquoi tu viens? Je sais pas comment je vais faire la vidéo. Hein? Comment on va faire la vidéo? Qui? Comment je vais faire mon bricolage, ma mémère? Tu sais pas? Non. Tu veux des câlins, toi? Ou elle veut des câlins? Et vous? Bon, je vais essayer de vous montrer. Alors, oh, ça va pas être facile. Alors, hier, j'ai mis sous, hier soir, j'ai mis sous presse une fois que c'était sec. Donc, moi, je mets sous presse avec un dictionnaire. Bon, là, c'est pas encore tout à fait sous presse. Vous voyez, ça s'ouvre encore, mais une fois terminé, ce sera complètement fermé. Donc, voilà, vous voyez, on ne voit plus. Ça va être chaud, je le sens. On voit plus les traces de colle. Bon, on voit toujours l'aimant, mais on ne le verra plus après. Hein. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, aujourd'hui, on va s'occuper de l'intérieur. Donc on va s'occuper de cette partie-là. Si Fifi veut bien me laisser le faire. Donc on met ça de côté. On peut remettre mes petites boîtes à l'intérieur pour pas que la boîte se déforme. Voilà. Alors, Fifi, est-ce que tu veux bien me laisser travailler? Tu veux? Tu veux me laisser travailler? Non? Tu fais un bisou à maman? Tu m'as mordu. Chippie. Allez, mémé. Bon, désolée, je dois la descendre de la table. Au revoir. Tu remonteras après. Voilà. Donc on va mettre le dictionnaire ici. Bon, j'ai déjà découpé mes cartonnettes pour mettre à l'intérieur. Donc celle-là, ce sera pour le couvercle. Donc je n'en ai pas besoin tout de suite. Là, on va d'abord s'occuper des côtés. Donc, ne demandez pas les tailles ni rien. Je sais, comme je vous ai dit, là, je vous montre quand même le suivi de la construction de ma boîte. Malgré qu'au début, je ne voulais pas le faire. Mais vous avez déjà le tuto de cette boîte. Vous avez déjà le tuto de cette boîte. Je vous remets le lien. Donc, c'est ici, vous voyez, du tuto. Ça va pas être du gâteau, non. Fifi, Fifi, tu veux me laisser travailler? Bon. Alors d'abord, je vais baisser la caméra et après, je vais remettre Fifi par terre. Alors me revoilà. Bon, Fifi est toujours là, donc là, je vais la descendre. La main grosse. Allez, descends, 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 descends. Hop. On va le mettre de côté pour l'instant. Je vais d'abord vérifier la longueur. Donc, il faudra que je le fasse en deux fois. Hein. Oui, voilà. Et maintenant, je vais vérifier que j'ai bien pris la bonne longueur avant de coller mes tissus. Impeccable. Juste peut-être enlever un millimètre à celui-là. Que ça n'accroche pas. Voilà. Donc,
savoir ce qui se passe en dessous du lit. Pendant ce temps-là, je suis tranquille. Je mets sur le côté une seconde. Et maintenant, je vais mettre la colle sur mes trois côtés, à l'arrière et les deux côtés. Pardon, j'ai toujours mon petit chat dans la gorge. Donc là, je fixe le papier, le tissu qui est dans le fond. Comme ça. Donc maintenant, je vais m'occuper de celui-là. Donc pareil, je vérifie avant, puisque là maintenant, donc il faut que je recoupe un petit peu. Avant. Vous voyez, j'ai fait ma fermeture avec mon aimant que j'ai décoré avec une demi-perle comme ceci. Et là, je vais récupérer un bout du ruban. Vous voyez, c'est un ruban comme ça. Donc ce ruban, je vais le coller. Donc celui-là, on le garde pour après. Et maintenant, impeccable. J'espère qu'il ne va pas se décoller. Hein. Sinon, je le tape. On va prendre un bout ici.
Voilà. La colle qui dépasse pour éviter les taches. Donc voilà. Le petit ruban que j'ai mis au milieu. Il est droit, j'espère. Il est encore trop collé. Je peux encore le bouger un peu. Oui, ça va. Et donc, comme ça, ça viendra dessus. Voilà. Ensuite, donc, on va avoir, donc c'est pareil, je vais vérifier, on va avoir le fond. Donc, le fond, je vais vérifier si ça va. Je l'ai fait un peu court. Alors, si je l'ai fait un peu court, je vais... Celui-là est trop long. Je vais mettre d'abord mes pinces dans les coins. Donc, je l'ai fait un peu court. Mince. Donc, il faut que je le refais avec 5 mm en plus. Donc, en attendant, je vais mettre mes pinces. Comme ça, ça a le temps de sécher. Ça, c'est des pinces que j'avais eu chez Babou. J'avais payé 1 € les 6. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, je crois. J'aimerais bien retrouver. Parce que j'en ai pas assez. Donc, quand j'en ai pas assez. Ceux-là ne font pas de traces. Donc, je vais mettre cela devant. Voilà. Je mets des autres derrière. Des petites comme ça en bois. Mais celle-là, j'aime moins. Pendant que ça sèche, donc, je vais refaire mon carton. Bon, il n'est pas perdu, hein, parce que je referai, je me servirai pour un autre. Le fond est prêt, donc on va le mettre. Je vais enlever mes épingles un petit peu. Ouh, j'ai mon temps qui gargouille. Et là, on va mettre beaucoup de colle dans le fond.
surtout dans les coins, hein. Un petit peu pour que ça adhère. Voilà. Encore un petit peu dans les coins. Dans certains coins, c'est encore besoin d'être un petit peu tenu. Voilà. Là, c'est bon. Alors maintenant, il va falloir fixer ce ruban-là. Donc, pour le fixer, il va falloir que je voie avec la boîte. Non, du coup, je voulais mettre une dentelle, mais j'en mets pas. Il n'y a pas besoin. Alors, par contre, maintenant, on va coller ça. Donc là, il faut que j'attende que tout ça sèche. Ah mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, les filles. Mince. Mince, vite, avant que tout y sèche. Ah, zut. Avant que tout sèche.
je vous jure. En attendant, je vais mettre mon dictionnaire. Hop. Et il faut que je fasse cette carte. Alors, est-ce que j'ai assez? Je vais mettre ça. Le médaillon. Ça va être juste, mais bon, ça ira. Et j'ai tout juste en tissu, hein. Mais là, je vais absolument mettre le médaillon. Donc, on va vérifier que le carton va bien avant. J'ai envie de faire un petit rappel du ruban. Et un petit rappel. Voilà. C'est ma petite touche. La touche d'Edith. J'espère que le ruban va tenir. Donc, vous voyez, ça commence déjà à tenir. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer ça ici.
fixe ça. Non, je vais mettre les plus grandes. Si on entend des gratter, c'est Fifi. Je ne sais pas ce qu'elle fait en dessous du lit. Voilà ce que ça fait. Je trouve ça pas mal. Ben écoutez, ma boîte est terminée. Maintenant, il faut que je la mette en presse pour que tout colle bien. Donc, il va falloir 24 heures de presse. Bien au milieu. Voilà. Donc voilà. Voilà la boîte. Je vais vous la fermer pour que vous voyez. Bon. Mais si on n'avait pas entièrement fini de coller. Hein. Donc voilà. Donc là, vous voyez, comme elle n'est pas encore sous presse, ça s'ouvre. Voilà ce que ça fait. Là, maintenant, elle va prendre forme. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut d'abord que je la mette sous presse comme ça. Donc ça, on va prendre le... ça pas là pour pas que ça salisse. Voilà. On va mettre le gros dictionnaire comme ça. Après, on va remettre d'autres livres pour que ça fasse sous presse. Et donc voilà. Ma boîte est terminée. Alors, attendez, je vous remonte en essayant de ne pas vous faire tomber comme hier. Voilà. Coucou. Donc voilà, ma boîte est terminée. Le temps que je monte la vidéo, bah, je pense qu'elle sera complètement sèche. Donc, je vous mettrai des photos terminées. Enfin, terminées, vous l'avez vu, mais je veux dire sèche. Là maintenant, il faut qu'elle prenne forme. Hein. Ça, il n'y a pas de problème à ça. Ensuite, ben, après, vous verrez la prochaine. Comment ? La prochaine boîte. Donc, je vous ai dit, ce sera une boîte avec un petit tiroir.
En même temps, il faut que je termine une commande avec plusieurs tiroirs. Et j'en ai une autre à faire également où on m'a demandé de faire une boîte avec plusieurs tiroirs. Donc j'ai encore du boulot, du boulot, du boulot. Donc, mais voilà. Mais bon, là, je pense que ça va aller. J'espère que je n'aurai pas de retouches de colle à faire, mais je pense pas. Non. Là, maintenant, il faut que je laisse 24 heures comme ça, sans y toucher. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ainsi que la précédente, puisque je l'aurais fait en deux parties, hein. Je vous remets les liens en fin de vidéo, ainsi que... Oh, j'ai les mains pleines de colle, regardez. Ainsi que le lien du tuto de cette boîte. On se retrouve très rapidement donc pour une prochaine vidéo. Ah ben voilà, Fifi vient vous dire au revoir. Ma Fifi, tu viens dire au revoir. Il est gentil. Oh, elle est gentille, ma Fifi. Hein? Et la maman? Oh. Hein? Fifi. Fifi. Un bisou? Tu fais un bisou? Ah oh, oui, mais maman, elle va te mettre plein de colle. Donc on se retrouve peut-être demain, je sais pas, je verrai. Parce que demain c'est le vétérinaire pour Pacha. Rien de grave, hein, c'est son vaccin, c'est tout. Et puis voilà, oui, c'est tout. Voilà. Tu veux dire au revoir, ma copine? Non, non, elle préfère me lécher alors que je suis pleine de colle. Allez, je vous laisse. Je vais me laver les petites mimines. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.